Position directe, le 5, la zone neige, ici à l'image, Kazakh, rose et noir, facile à suivre durant la course et puis avec le commentaire de Pierre bien sûr. 4,10€ et puis on note derrière que le numéro 2, Lagon, voit sa cote remonter alors que le numéro 4, Lutamana, est proposé à 8,20€, 2850 mètres de course. 4,10€ pour l'As de Neige, 1,80€ pour Luna Dubosky. Attention, on est sur un parcours différent par rapport à la dernière fois. On est sur un plus long parcours et ça va certainement avantager l'As de Neige. Ça va également avantager Lutin Malin. Donc on peut peut-être voir ce soir une arrivée un peu différente que la dernière fois. Voilà, on se place 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. La prochaine se disputera également sur la grande. Et ensuite, on sera sur la petite piste pour les courses suivantes. Criolès avait remporté cette épreuve l'an dernier, vous le disiez tout à l'heure, Fabien. On va voir qui va s'imposer, soit une pouliche, soit un poulain. Avantage au poulain au niveau des partants. Ils sont 2, 4, 6 poulains face à 3 pouliches. Allez, on est parti du premier coup. Lutin Malin est parti sur un long temps de galop. Il se retrouve à l'arrière. Il a perdu beaucoup de temps, Lutin Malin. Et ça va peut-être être dur de revenir à ce niveau. On est parti vite avec l'As de Neige. Lester Rainbow est au galop, numéro 3. Il perd beaucoup de terrain avec la Kazakh de Pierre Schmitt. Devant, on a Lagon avec Ludo de Castel. On a Lithia de Beaussens également, la Kazakh verte. On voit à l'arrière sprinter actuellement Lutin Malin qui revient après sa faute en début de course. Luna Dubosky, la grande favorite, est pour le moment parmi les derniers au niveau du petit peloton. Et Eric Raffin a véritablement assuré ses premiers mètres. On est dans le premier tournant. Le Jean-Michel Bazir a pris l'avantage avec Ludo de Castel qui porte la Kazakh de Joël Séché. En deuxième position, la Kazakh de l'écurie des Charmes, c'est l'As de Neige, Jean-Philippe Marie. Troisième place pour Lithia de Beaussens devant Lagon, mais aussi le Major. Ou ensuite Libertidar. Libertidar, c'est numéro 7 avec Michel Lenoir. Luna Dubosky est un peu en retrait. Eric Raffin a décidé d'attendre aujourd'hui. Ensuite, on note à quelques longueurs Lutin Malin qui va recoller au peloton. Et en dernière position, Lester Rainbow, c'est le numéro 3. Passage devant les tribunes, 2100 mètres encore à parcourir. Ludo de Castel est en tête le long de la corde. En deuxième position, l'As de Neige. On a à la corde un cheval qui en est à son deuxième parcours remonté et à son extérieur. Un cheval qui connaît bien le remonté. Il a déjà gagné à plusieurs reprises et notamment à Vincennes. La troisième place pour Lithia de Beaussens devant Lagon. On voit ensuite le Major avec Libertidar qui est en sixième position. Luna Dubosky est septième. Suivent ensuite notamment Lutin Malin mais aussi Lester Rainbow qui ferme la marche toujours. On est en pleine descente. Ludo de Castel qui mène un rythme assez peu soutenu, on a l'impression qu'on ne va pas trop vite pour le moment. Jean-Michel Bazir qui discute actuellement avec Jean-Philippe Marie. On s'entend très très bien en tête avec toujours Ludo de Castel, l'As de Neige aux deux premières places, le 8 et le 5. Le long de la corde en troisième position et donc en deuxième ligne, on patiente toujours avec Lithia de Beaussens. Lutin Malin fait l'effort maintenant à l'extérieur. C'est vrai que le rythme n'est pas très élevé et Lutin Malin avec François Roussel va lancer un peu la course. Il vient se placer François Roussel, 1,22 depuis le début au poteau des 1500 mètres. C'est dire qu'on est véritablement à un train de sénateur. On va se diriger vers la montée, on est toujours en pleine. Ludo de Castel qui appuie un petit peu maintenant sur l'accélérateur et qui prend une demi-longueur d'avance. En deuxième position, l'As de Neige devant Lithia de Beaussens. Lutin Malin qui essaie de se placer maintenant en deuxième épaisseur et qui va essayer de prendre la place de Lagon. On voit ensuite le long de la corde le Major. La ligne d'en face, Lutin Malin vient en troisième épaisseur. Non, François Roussel n'avait pas la place pour venir derrière Jean-Philippe Marie. Et il va forcer l'allure. Il rejoint maintenant les deux professionnels que sont Jean-Michel Bazir mais aussi Jean-Philippe Marie. On a trois grands jockeys en tête. La quatrième place pour l'étrier d'or en titre, Philippe Masquel avec Lagon. Le long de la corde, il y a Jean-Loïc Dersoir. On a une course fabuleuse de jockeys. Michel Lenoir est également dans le coup avec Franck Nivard et Eric Raffin qui patiente avec Luna Dubosky, la favorite, mais qui accélère maintenant. Elle fait mouvement. Elle revient de l'arrière. Il reste pratiquement 700 mètres à parcourir. Le haut de la montée, bientôt l'intersection des pistes. Ludo de Castel toujours en tête, il va encore bien. En deuxième position, l'As de Neige. On a débouché les oreilles de Ludo de Castel. On va toujours bien avec l'As de Neige. En troisième position, Lithia de Beaussens qui n'a pas encore été lancé véritablement par Jean-Luc Dersoir. Lutin Malin accuse un petit peu le coup après son effort en descendant. Et puis on voit à l'extérieur Luna Dubosky qui progresse maintenant. Elle passe quatrième. Lagon a du mal. Libertidar est juste devant. Le Major un peu malheureux. 400 mètres, même pas à parcourir. Et le match entre les jockeys, entre Jean-Michel Bazir, Jean-Philippe Marie, Eric Raffin arrive avec également Jean-Luc Dersoir le long de la corde. Ces quatre jockeys se sont détachés des autres. Entrée ligne droite, Ludo de Castel toujours en tête, l'As de Neige qui lui prend l'avantage. La troisième place pour Luna Dubosky qui se fait très discrète mais qui va sortir dans quelques instants. Ensuite, on voit Lithia de Beaussens avec Lutin Malin et Libertidar. 100 mètres à parcourir, l'As de Neige devant Ludo de Castel qui revient le long de la corde. Mais c'est Jean-Philippe Marie qui va remporter ce groupe 2. Puis Victor,
pavé, victoire de l'As de Neige. Deuxième place pour Ludo de Castel et troisième place pour Luna du Boscay. Ensuite, on voit les deux pensionnaires d'Alain Roussel ensemble, Lutin Malin et à son extérieur.